Mesdames, messieurs, il est 10h et vous êtes toujours à l'antenne avec nous. Revenons maintenant sur la disparition d'un groupe de jeunes dans la forêt de Montespiel. Nous sommes toujours sans nouvelles des 7 jeunes personnes qui ont disparu cet été dans la forêt de Montespiel. Tous les témoignages sont les bienvenus. Beaucoup de mystères tournent autour de cette affaire. Il est malheureusement continué que des personnes disparaissent pendant cette période dans la forêt. Ça ressemble plus aux histoires effrayantes qu'on balance beaucoup aux enfants pour leur faire peur. Beaucoup de témoignages, notamment ceux d'enfants affirmant avoir vu leurs jeunes disparus errer un peu partout dans la ville. C'est malheureux, mais... Si vous avez la moindre information, n'hésitez pas à contacter les forces de l'ordre. Je ne crois pas du tout au paranormal, à la magie ou aux vieux contes de fées, mais je dois bien reconnaître que la forêt de Montespiel renferme quelque chose de très malsain. Que ma grand-mère lui racontait à elle quand elle était petite également. Les familles des disparus ont inondé les réseaux sociaux de leurs photos. N'hésitez pas à les contacter dès que vous avez des nouvelles. Alors, comme tous les samedis soirs, j'ai ouvert mon local associatif pour les SDF qui souhaitaient prendre des habits chauds pour passer la nuit. Et pendant la distribution, je suis tombé sur une personne qui m'était vaguement familière, comme si je l'avais déjà vue, genre en photo, vous voyez. Et au moment où j'ai cru reconnaître son visage, la personne, elle avait disparu. Et plus j'y réfléchis, plus je suis persuadé que c'était un membre des jeunes là qui ont disparu. Ça fait maintenant 3 jours que nous avons retrouvé un membre du groupe des jeunes disparus. D'après nos sources, les enquêteurs n'ont toujours pas réussi à obtenir plus d'informations sur cette disparition. De ce fait, la police a fait appel au docteur Patricia Keita, psychologue agréée par l'État, afin de faire un bilan psychologique de la victime. On m'envoie ici pour faire une analyse psychologique de la victime. Je dois m'entretenir avec elle à peu près 3 heures. 3 heures. Bon, bon courage. J'espère qu'avec une psy comme vous, elle pourra parler. On verra bien. On verra bien. Bonjour. Comment allez-vous? J'ai appris que vous ne mangez pas beaucoup en ce moment. Juste avant de venir, j'ai pris le temps d'acheter cela pour vous. Vous en voulez? Tenez, je vais vous en servir un. Je suis venue vous parler de ce que vous avez vu et de ce qui s'est passé la semaine dernière. On a signalé votre disparition et vous êtes revenu par vos propres moyens. Donc nous avons quelques questions à vous poser. Vous acceptez de m'en parler? Ne vous inquiétez pas, prenez votre temps. Il est 16h et comme d'hab, ils sont encore en retard. Tu dois 5 euros, Lucie. Eh, tu forces. Il y a des bouchons sur la route, la guide elle est toujours pas là, ça coupe pas. En fait, que tu me dois 5 balles. Sinon, à part ça, qu'est-ce qu'on fait là? Je crève de froid, moi. Il a pas tort, hein. C'est l'anniversaire de Dimitri, les gars. Vous savez bien qu'il adore les histoires un peu glauques, alors. Alors, Aurélie, sa copine, a organisé un camping sauvage dans la forêt de Montespiel. C'est bon, je le sais. T'as pas besoin de le répéter. Je voulais juste répondre à ta question. Moi, j'ai dit, on aurait dû lui offrir un tatouage, un truc dans le genre. Ça, au moins, c'est original. Ça, c'est vulgaire, ouais. Compte pas sur moi pour financer ça.
Oh, oh les gars. Oh. Oh. Bon alors, vous avez tous vos affaires là, c'est bon. Ouais, ouais, c'est bon. Ouais, bonjour. Ouais. Bon bah parfait. Bonjour la compagnie. Je m'appelle Tiffany Beaugallieu et je serai votre guide pour ce mini séjour. Je ne vous ai pas trop fait attendre, j'espère. Si, si, on a un peu galéré quand même. Ta gueule. Bon, je vais vous faire un petit topo. On va dans la forêt de Montdespiel. C'est une forêt réputée pour sa forte densité de loups, mais également pour les légendes à laquelle on attribue cette particularité. Mais vous inquiétez pas, nous on va dans une zone totalement sécurisée et inoccupée le long d'un fleuve. Mais la seule règle à respecter, c'est vraiment de rester groupé. Il serait fâcheux qu'il vous arrive quelque chose de stupide, vous ne trouvez pas ? Hein, James ? T'aimerais bien. Le truc stupide, c'est déjà d'aller là-bas. Oh, chut. Ah, bon, il y a un bus qui nous attend, on va faire le reste à pied. On y va. Bah on y va, allez, let's go. Vas-y, let's go. C'est chaud de marcher avec nos sacs. Et toi ? Oui, oui, je sais, désolé, on peut pas faire le reste en bus, donc on est obligé de le faire à pied, mais c'est super agréable, vous allez voir, vous inquiétez pas. Aïe, 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 on est pas dans la forêt, nous ? Merde, ça fonctionne pas. Insta non plus. Quoi ? Putain, on n'a pas de réseau. Mais c'est génial, ça ! On va enfin pouvoir se couper du monde et passer de vrais moments ensemble, sans pour autant... Ta gueule ! Mais t'es sérieux ou quoi ? Elle a carrément raison, calme-toi, là. On sera ensemble. Pas de monde extérieur, la con. Sérieux, merci, Sabrina. De rien. MDR, t'es tellement mignon, Dimitri. Soyez bien ensemble, si... Pardon. Un peu chelou, l'ambiance, là. Je suis pas bien, gros. Pourquoi j'ai dit oui à cette putain d'idée ? Bon, je vais vérifier ce qui se passe. Vous bougez pas, je reviens dans deux minutes, d'accord ? Non, mais c'est débile Mais elle est sérieuse ! Attendez, calmez-vous, ça va bien se passer. Elle va revenir et tout va rentrer dans l'ordre, j'espère. Regardez pas, attends, c'est quoi ça? Oh! Oh, 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 oh! Oh putain, bordel!